J'écris ses lettres à l'homme quand j'ai envie de lui parler. J'écris ses lettres à l'homme, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Car je n'ai jamais compris son mode de vie. Et ce qui est marrant dans tout ça, je suis l'homme dont je parle à moi-même. Toi qui es ton prochain, qui foule à ses pieds son cœur et son âme, qui cherche à l'entraver, obscurcit son mental par la peur de l'enfer. Mais tu n'as pas compris que le repos c'est pour ceux qui portent de lourds fardeaux, et que la paix c'est pour ceux qui ont des douleurs. Que pour l'humain y'a que le seul baume à la douleur, qu'il n'y a qu'un seul chemin qui nous conduit au ciel. Ce chemin c'est la sympathie mutuelle et l'amour. Nous combattons souvent pour des mots qu'on a mis mais vidés de sens. Hein? Mais qu'est-ce que tu crois que tu feras bénir l'homme sans qu'il passe par la naissance? Mais ouvre les yeux à cette que t'es faible. Pourquoi c'est difficile d'accepter de te soumettre? Pourtant il y a des signes qui prouvent que t'es faible. La femme, les tsunamis, les tremblements de terre. Mais tu continues pas, te vois toujours trop grand, hein? Tu continues pas, te vois toujours trop fort. Et même quand le danger vient de toi, tu finis toujours par perdre le contrôle. Seul un esprit libre et ouvert est capable de découvrir le lien d'harmonie entre toutes choses. L'homme qui reconnaît son ignorance a fait le premier pas vers le savoir et c'est une bonne chose. Bien qu'il ne soit de valeur, n'est obtenu sans un effort persistant. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, c'est le résultat d'un effort. Oh toi, y'a que la vérité qui te rendra libre. Cette lettre que t'as toi, tiens-la. Tu peux la lire à l'homme quand j'ai envie de lui parler. J'écris ses lettres à l'homme, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Moi je n'ai jamais compris son mode de vie. Et ce qui est marrant dans tout ça, je suis l'homme dont je parle à moi-même. C'est l'être à l'homme, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Quand je n'ai jamais compris son mode de vie. Mais ce qui est marrant dans tout ça, je suis l'homme dont je parle.